Coucou. Et oui, cette vidéo est très ancienne. Mais au moins, c'est pour vous dire que je vais préparer une vidéo pour résumer tout ce qu'il y avait comme information dans le Smash avant la sortie. Voilà, c'est dit. Ensuite, deuxièmement, c'est que c'est quelqu'un qui a monté cette vidéo. Car oui, j'ai demandé à vous, mais mon public, de savoir qui serait capable de monter cette grosse VOD qui dure presque une heure. Et ben, quelqu'un l'a fait. Et ce nom, c'est Béranger, donc je te remercie, Béranger. Et aussi, c'est parce que j'ai rajouté entre parenthèses, test. Parce que peut-être qu'il fera d'autres, mais c'est pour ça que je vous demande à vous, public, et c'est je pense que ce sera la dernière fois que je vais demander un truc comme ça, tout simplement de critiquer son montage en lui disant du positif ou du négatif. Voilà. Mais je lui ai donné des conseils, donc moi, en fait, pas. Tout va bien. Sur ce, bonne vidéo. Bonsoir, Twitch. Voilà. Bonsoir. Donc, je suis avec Darkos. Bonsoir. Et Marco. C'est pas vrai. Du coup, on va réagir sur ce Nintendo Direct. Voilà. Oh, Luigi. En tout cas, ça fait une... Non, c'est le 3. Qu'est-ce que je disais? Ça ressemblait pas au remake? Ah, c'est pour toi, ça. Ouais. Ah non, mais par contre, je crois que c'est le pire jeu Kirby que tout le monde détestait. C'est quoi cette pute? Affronter des joueurs du monde entier ou former des équipes. Vous profiterez d'un catalogue de jeunesse mis à jour la régulièrement. Il y a Kirby, s'il te plaît? Non, même pas, d'accord. C'est quoi ça? 2019. Le jeu que tout le monde attend là depuis des années. C'est quoi? C'est un Star Fox? Oui, c'est un Star... Enfin, c'est un jeu créé par Ubisoft. Ça, c'est sur mobile à mettre, ça. C'est mobile. Si vous voulez me donner Noctis, faut le mettre dans Smash Bros. Il était pas sur PC, ça? Non, je crois que c'était pas un jeu mobile. Oula, respire mon coup. Évidemment, le paquet final. En tout cas, il est très beau. J'aime bien l'idée. PES, passe. Ah non, là t'as tout souhaité. Ah bah voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh, un nouvel cross. Yes. Attends, est-ce que c'est un nouveau ou est-ce que c'est le portage du jeu mobile? Attends. Non. Oh non, pas Marie, t'affole pas. Attends. Ah, si, ça, si c'est ça, je me marre. Attends. Non, tu vas pas me dire qu'elle a annoncé pour Smash. Putain, mais c'est bon, ouais. Non, mais... Aïe, mais non. Oh putain. Non, mais là, si bien entendu, ils reçoivent pas des menaces de mort après ce jour. Tous les fans de Animal Crossing sont en colère. Oh non, là il y a une bouille. On t'adore, Marie, mais. Attends. Allez, j'ai encore du travail. Ouais. Oh, on l'a remonté. Allez, c'est bon, allez. Ça commence. Voilà. Allez. Voilà, les fans ont eu ce qu'ils demandaient. Du coup, maintenant, on va faire un top 3 de ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé. Enfin, on va faire un top 1 juste ce qu'on n'a pas aimé. Du coup, on va commencer par Tarkos. Moi, c'est le jeu mecha, là. Info le sûr. Jeu mecha, ok. Ouais. Est-ce que t'as pas trop aimé? Oh, wow, bah après les petits jeux, genre... comment il s'appelle, là, le petit dinosaure vert, là? Yoshi. Ouais, voilà, Yoshi, moi, c'est pas ma cam. Et toi, Marco? Moi, c'est le nouvel Animal Crossing, bien évidemment. Et le Luigi's Mansion 3, même si j'ai pas fait les deux derniers. C'est vrai que Luigi's Mansion, ça m'a... Au début, je voyais les fantômes différents. J'ai fait, mais non, Marco, c'est pas possible que ce soit un remastered. Et là, d'un coup, bon, il y avait le remastered. Et du coup, bam. Surprise, Luigi's Mansion 3. Et moi, ce que j'ai aimé, très franchement, c'est presque tout. Il y a juste peut-être l'abonnement qui me fait un peu peur, mais bon. C'est raisonnable. Voilà, c'est raisonnable. Et très franchement, c'est le seul truc qui m'a beaucoup surpris, c'est certes Luigi's Mansion 3, et surtout les deux trucs à la fin d'Animal Crossing.
C'était une grande surprise pour moi. Parce que très franchement, quand j'ai vu le Animal Crossing, j'ai fait... Alors soit c'est un jeu exclusivement sur Marie, parce que vu que pas mal de fans d'Animal Crossing ont beaucoup aimé Marie, et aussi parce que c'est le personnage secondaire du New Leaf, si c'est bien cette version-là, hein, de la 3DS. New Leaf, c'est bien ça? Ouais, bah dans tous les Animal Crossing, je crois. Oui, enfin, non, sur les premiers, t'étais considéré comme un villageois, et c'était sur 3DS où t'es devenu le maire. Et après, sur vos téléphones, c'était le chef d'un camping, et après, le reste d'Animal Crossing... C'est devenu Déco et Mario Party Eco Plus. Enfin, après, je me souviens plus c'était comment le Mario Party. Et très franchement, après, quand j'ai vu Smash et Camping, je me suis dit, soit ça va parler sur téléphone ou sur Smash. Et là, t'as Antoine qui arrive. J'ai fait, ok, c'est mort. Nouveau personnage de Super Smash Bros.